Amen. Amen. Quels sont ceux qui croient que Dieu est un Dieu qui planifie tout? Lève ta main vers le ciel. Non, non, non. Tu le crois vraiment? Que Dieu planifie tout. Laisse-moi te montrer un texte. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est la parole de qui? Dieu. Et c'est David. La Bible dit de lui qu'il était un homme, l'homme selon le cœur de Dieu. Il connaissait la préséance de Dieu. Il dit, sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors moi, je lève ma main vers le ciel et je décrète, déclare, établi qu'aucun des jours inscrits dans le livre de Dieu à ton égard ne sera retranché. La grâce, elle est accessible. Dieu nous fait grâce. Cependant, je ne peux pas accéder à la grâce si je n'ai pas la foi. Donc la meilleure façon pour le Satan de voler toutes les grâces que Dieu t'a accordées, c'est de pouvoir faire dériver ta foi. Donc quand il y a absence de foi, la grâce n'est plus manifeste. Dans les jours qui t'étaient inscrits, ce sont des jours qui sont dans les livres de Dieu. La seule manière de les vivre, c'est avoir foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne son meilleur amen? Donc je dis encore, ce ne sont pas tes efforts. Non, c'est d'abord la foi en Dieu. Avoir foi en Dieu. Tu peux être fort, mais si tu n'as pas de foi en Dieu, tu n'accomplis pas les desseins pour lesquels Dieu t'a appelé. D'accord? La foi en Dieu. Lève ta main vers le ciel et répète après moi, moi Raoul WAFO, conscient de la grâce qui m'a été faite et des jours qui ont été préparés par Dieu concernant ma vie et inscrit de sa main dans son livre saint, je décrète, je déclare et j'établis que je vivrai la plénitude de ces jours sous le soleil. Aucune puissance satanique, aucune armée de l'ennemi ne pourra m'empêcher de jouir de la plénitude de ces jours inscrits dans le livre de Dieu. Oui, je suis conscient que Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et je décrète, déclare et établis, Satan, toi et ton armée, vous ne volerez pas un seul des jours que Dieu a prédestiné pour moi. Je parle sur ma vie et je m'interdis de mourir avant mon heure. J'annonce sur ma vie que je vivrai la plénitude de tous ces jours. Heureux, comblé, béni. Et la gloire de Dieu, je la ferai au quotidien de ma vie, dans la vie, sous le soleil. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Eh bien, comme Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes, en tant que prophète de Dieu sur cet autel et en tant que voix autorisée de Dieu concernant les personnes connectées à cet autel, je vais lever ma main vers le ciel. Décréter, déclarer et établir que quelles que soient les conspirations ou alors les voix qui se sont fait entendre sous le soleil, sous la terre, dans la mer, dans les forêts, contre ta vie pour mettre fin à ta vie de façon abrégée, de façon subite, je décrète, déclare, établis que cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Cette parole, je l'envoie sur ta vie et sur ton ciel. Je déclare que ton étoile ne sera pas obscurcie. Ta vie ne sera pas retranchée subitement. Dans le nom suprême de Jésus. Quand le secours te vient d'en haut par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Alors tout ce que les gens ont arrêté dans ton village, tout ce que les gens ont arrêté dans ta société ou même des personnes qui combattent avec toi, qui concourent avec toi dans un domaine précis contre ta vie, je décrète que ces personnes-là verront le malheur retourner contre eux au nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu est sur ta vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Je voudrais te rappeler encore à toute fin utile que le sorcier du village qui avait fait des prédictions sur ta famille, qui a dit des choses, qui a même commencé à agir pendant des années sur la vie de certains membres de ta famille, n'avait pas le 1 centième du pouvoir dont je suis revêtu. Je veux encore préciser, je reprends. Il n'avait même pas le 1 millième du pouvoir dont je suis revêtu. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je ne parle pas de mon propre fait, je ne parle pas de mon propre chef. Je parle parce que j'ai été mandaté par Dieu et je parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors je déclare feu sur la base ennemie. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la main de Dieu te secoue de façon spectaculaire. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Rien ne volera ta joie cette fois-là. Note-le, Seigneur. Rien ne volera ta joie. Recotablo de chatalato de babo. Andeke. Arebo satatara babo. Rondo shekete de baba. Andeke bro. Je voulais vous dire, frères et sœurs, que je suis un homme qui écoute Dieu et un homme qui a atteint par la grâce de Dieu la dimension où je suis conscient de toutes les grâces que Dieu a déposées dans ma vie et de ce que je mobilise dans le surnaturel quand j'ouvre ma bouche pour parler. Donc je ne parle pas en l'air. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors je déclare établi sur ta vie en tant que fils d'Abraham, quiconque voudra s'attaquer à ta vie rencontrera Dieu sur son chemin dans le nom suprême de Jésus. Aucune puissance maléfique, aucune armée des ténèbres ne pourra défier ta vie et la ruiner dans le nom suprême de Jésus. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, tu sortiras vainqueur de tous tes combats. Dans le nom suprême de Jésus. Même dans tes rêves, tu sortiras victorieux. Même dans les combats, tu terrasseras tes ennemis. Tu trancheras la tête du serpent dans les rêves. Au nom suprême de Jésus. Tu ne seras plus la personne qui fuit, mais la personne qui fait fuir. Car la grâce de Dieu est sur toi, dans le nom suprême de Jésus. On ne t'étouffera plus en songe. On ne te forcera plus à manger des repas la nuit. Tu ne les mangeras pas. Il n'y aura pas d'alliance inconsciente, ça n'arrivera pas. Cette parole gouverne ta vie au nom suprême de Jésus. Même quand tu dors, l'ange de l'Éternel montera la garde autour de toi. Dans le nom suprême de Jésus. Certains contrats te seront accordés la nuit. J'ai dit en pleine nuit. Pendant que tout le monde dort, des transactions surnaturelles en ta faveur. De nouvelles portes qui s'ouvrent pour ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Acclame très fort ton Créateur. Gloire à l'agneau. Vous savez, aujourd'hui à l'église, on a, en général, hein, à l'église corps de Christ, on a des pasteurs. On a beaucoup de pasteurs. On a des pasteurs qui sont faits pasteurs par l'organisation. C'est-à-dire, je suis au terme de la foi et puis, j'organise le terme de la foi et puis je mets des pasteurs. Mais parmi les pasteurs, il peut se trouver des pasteurs qui sont pasteurs simplement du fait que je les ai choisis. Mais qui ne sont pas pasteurs par la prédestination. C'est-à-dire Dieu n'a pas pensé de faire d'eux des pasteurs. Amen. Ils ne sont pas pasteurs par prédestination. Ils sont pasteurs parce que quelqu'un les recommande pour ce pasteur, à la fonction pastorale. Ils partagent la grâce de l'autel. Mais cela ne peut pas prévaloir, se prévaloir de jouir du même type de grâce que des personnes que Dieu s'est choisies comme Jérémie avant qu'ils ne soient dans le sein de leur mère. Donc ne faites pas de confusion, ne faites surtout pas de confusion. Je vous dis la vérité, surtout pas. Et encore dans le corps de Christ que vous voyez, on n'a pas tous les mêmes grâces. On peut implanter 1 million d'églises sur la terre, mais ne pas avoir la grâce de sortir les gens de l'esclavage. Ah, je vous dis encore, on peut sortir les gens de l'esclavage, ne pas avoir la grâce de les amener dans la royauté. La royauté, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et l'ange qui m'accompagne est un ange qui t'amène dans ta royauté. Donne-moi ton meilleur amen. Je n'ai pas besoin de forcer, c'est la grâce qui m'accompagne. Je lève ma main vers le ciel. J'engage ces anges en ta faveur. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Il y a des choses, écoutez-moi attentivement, il y a des choses qu'on ne comprend que quand on a grandi spirituellement. Tout ce qui est spectaculaire n'est pas forcément la gloire la plus grande. Non, non, non. Le spectaculaire n'est pas forcément la gloire la plus grande. C'est pas parce que quelqu'un est tombé, boum, que les choses les plus extraordinaires se sont produites. Les grandes délivrances de Dieu sont silencieuses. Je dis encore, les grandes délivrances de Dieu sont silencieuses. C'est pas tout, pas tout spectaculaire. Tu es assis là, mais il y a des choses qui se passent dans ta vie. On parle ici et il y a des choses qui se passent dans ton village. Et je parle de ton village jusqu'en Centrafrique, du village jusqu'au Congo. Des choses prennent place dans ta vie par la puissance de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Et donc nous sommes en fin d'année, il est important que tu réfléchisses et que tu sois sûr d'être connecté à l'autel de ta destinée. Dieu connecte les gens selon le mandat qu'il a donné à chacun. Et c'est pourquoi je n'ai pas de lutte, je ne vais pas lutter, je ne vais pas avoir l'âme vraiment. Non, 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 c'est par rapport au dessein de Dieu que Dieu connecte les gens. Vous avez compris ça? Il ne faut jamais oublier, c'est par rapport au dessein de Dieu. Ne soyez pas connecté à quelqu'un par hasard. C'est par rapport au dessein de Dieu. Si vous êtes dans cette église par hasard, venez me voir le 31 ou le 1er, je vous bénis et je vous envoie là où vous devez être. Je n'aurai aucun problème. Le plus important, c'est qu'on se retrouve au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vous dis la vérité, les personnes qui se retrouvent dans la marche avec toi, on les appelle les ramassis. Ils ne font pas partie du plan de Dieu, mais ils sont dans la foule. Ces personnes vont te causer plus de problèmes. Les personnes qui sont dans ta vie mais qui n'ont pas été ordonnées par le ciel vont te causer trop de problèmes. Amen, je dis trop de problèmes. Je te dis la vérité, trop de problèmes. Autant te contenter des personnes que Dieu t'a envoyées. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et quand Dieu t'a envoyé quelque part et qu'il t'a donné tous les signes, ne lutte pas contre Dieu. Quand tu commences à te détourner de la voie que Dieu t'a montrée, c'est l'orgueil. Le malheur te trouvera sur le chemin. Pourquoi? Parce que tu es rebelle à l'obéissance, rebelle à la voie que Dieu t'a montrée. Et ça, ça devient dangereux. D'accord? Alors si Dieu t'a dit, je suis ton pasteur, et qu'à cause de ma règle, tu as envie de changer d'église, fais attention. Ah non, non, je suis très... Vous savez, aujourd'hui, on est dans le monde spirituel. Je médite beaucoup ces derniers temps. Je réfléchis. On ne peut pas aller en 2023 avec le même type de message qu'on a toujours entendu avant. On est obligé de grandir. Dis à ton voisin, tu es obligé de grandir. Dis encore à ton voisin, tu es obligé de grandir. On doit grandir. On doit grandir. Est-ce que vous savez que l'une des choses profondes que je découvre, c'est que l'Église a participé pendant longtemps au sous-développement de notre continent. Et l'aliénation des potentiels africains, du potentiel noir, l'Église a participé pour beaucoup à aliéner les noirs. C'est-à-dire qu'en penser que le bonheur c'est le fait de venir à l'église, lever les mains, acclamer, danser, chanter, rentrer ce soir. Ça c'est terrible, c'est la plus grande tromperie et duperie qu'on peut avoir sous le ciel. Dieu ne t'a pas créé pour ça simplement. Ça fait partie des instants de bonheur, mais ce n'est pas la raison de ton existence. Il y a quelque chose que tu dois faire dans la société. Retrouver ton couloir sociétal et faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a des familles qui doivent trouver du travail à cause de toi. C'est ton appel. Il ne faut pas essayer de dire non, je vais devenir pasteur. Tu ne vas pas devenir pasteur. Tu peux mourir jeune parce que tu es devenu pasteur. Tu peux être malheureux parce que tu es pasteur. Dieu ne t'a pas appelé à ça, ne force pas. Reste dans ton couloir. Donne-moi ton meilleur amen. Si Dieu t'a amené à faire du sport, fais du sport. Vas-y, perds dans le couloir de ton appel. Ne te laisse pas embrigader par le mensonge de la religion. Parce que beaucoup de personnes, quand ils t'apathisent pour faire de toi membre de leur communauté, ce n'est pas ton cœur qu'ils visent, ce sont tes poches qu'ils visent. Et tu dois être encore prisonnier de personnes. Donne-moi ton meilleur amen. Encore, dis encore amen. Écoutez mon frère, quand Dieu t'appelle et qu'il te cherche, il prend soin de toi du début à la fin, dans les détails les plus spécifiques. La provision ne fera pas défaut. L'abondance sera ton partage. La santé divine est ton héritage. Dis encore amen. On a un évangile de personnes frustrées. Frustrées par le... Frustrées. Ouais, tu vois quelqu'un qui est là, il n'a même pas 60 ans, mais le visage est déjà rempli de rides. Tu vas être ridé. Qui n'a pas de joie. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Romains 14, 17. Qu'est-ce qui est écrit? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger. Ce n'est pas quoi? Vous savez, quand Dieu dit c'est pas le manger, le bois, il est en train de dire que même les païens mangent et ils boivent. Les oiseaux du ciel mangent et ils boivent. Les prostituées mangent et ils boivent. Donc on ne peut pas entrer dans le royaume pour manger et boire. Parce que manger et boire, là, même les païens ont accès à ça. Mais il dit, le royaume des cieux, je vous donne ce que les mondains ne peuvent pas avoir. Là, c'est quoi numéro 1? La justice. Quelqu'un dit justice. Encore. Alors écoutez-moi très bien, parce que personne ne doit voler votre joie. Cette justice n'a rien à voir avec le fait que tu aies appliqué les 10 commandements de la loi. Cette justice est un don par la foi. Jésus te l'a donné, Jésus te l'a accordé, il a pris ta place. Donne-moi ton meilleur amen. Si tu me dis encore amen, alors que personne ne te juge sur quoi que ce soit, parce que la foi en Christ t'a justifié. Et c'est cette justification qui te donne la capacité de vivre pour lui. Et non la loi. La loi, tu ne trouves en elle aucune force. Elle n'amène que condamnation, tristesse, lamentation. Mais Dieu t'a justifié. Même s'il t'arrivait de glisser et de tomber, ce n'est pas parce que tu es tombé que tu es coupable. Tu es juste, tu es injuste qui tombe. Ton silence m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Jeune fille, s'il te plaît, jeune dame, viens, donne-moi ta main. Mets-toi par terre, Bon, alors, elle est tombée. Est-ce que c'est un oiseau qui est tombé? C'est un animal qui est tombé? Qui est par terre? Non, je vous pose une question. Qui est par terre? Qui est par terre? C'est un être humain ou hein, c'est un animal? Est-ce que son nom a changé parce qu'elle est par terre? Est-ce qu'elle a gardé le même nom? Maintenant, quand elle se relève, qui s'est relevé? La même personne. Donc, quand tu tombes là, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est plus enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu qui s'est retrouvé par terre. Mais comme ta place n'est pas par terre, tu es obligé de te relever. C'est ça le royaume des cieux. La justice. Acclame le Seigneur. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous dire des choses très profondes. On aura le temps de revenir sur ça l'année prochaine. On reviendra sur ça en 2023. La parole de Dieu est parfaite et ses messagers le sont moins. Dieu a voulu que sa parole incarne la sainteté la plus incroyable. Et que toutes les personnes qui gravitent autour de ses paroles reconnaissent en chacun d'entre eux des limitations au niveau de leur marche. Et que tous les regards soient sur celui le seul qui était capable d'être saint. Capable d'appliquer tous les commandements de la loi sans en enfreindre un seul. Et que par son nom nous serons accès au ciel. Nous avons la joie à cause de sa justice. Acclame le Seigneur et que rien ne vole ta joie. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Dieu m'a dit de te dire ce soir que personne ne vole ta joie. Garde ta joie. Romains 14, verset 17, regardez. La justice et quoi encore? La paix, que tu sois en paix, que rien ne te perturbe, la paix. La paix avec Dieu et la paix en Dieu. La paix. Et après quoi? La joie. C'est-à-dire cette joie qui procède de la justice. Cette paix qui vient de la justice. Acclame encore ton Créateur. Acclame ton Créateur. Amen. Alors, laissez-moi vous dire ce que la grâce fait. Pourquoi est-ce que la grâce est belle? Et pourquoi la justice est due à quelque chose qu'on doit chérir et aimer? Quand vous avez compris la justice dans cette dimension, vous aimez les gens. Vous les aidez, vous ne critiquez pas, vous ne jalousez. Vous aimez les gens, vous êtes rempli de compassion. Parce que vous comprenez que les choses qui vous arrivent, ce ne sont pas vos propres efforts. Il t'a rendu juste, c'est simple. Ça n'a rien à voir avec ta manière de te conduire. Il ne faut pas avoir des rides anticipées, frère. Et tu n'es pas le justicier de Dieu, tu n'es pas... Non. À l'époque, au lycée, on avait ce qu'on appelle le censeur. Le censeur se baladait partout dans les salles de classe pour voir. Tu n'es pas le censeur du royaume des cieux. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très clair. C'est pour ça que je ne suis pas là. Ah oui, mais toi, non. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Quand la grâce a voulu se manifester par les hommes, elle a choisi un homme incapable de pouvoir représenter dignement le ciel parce qu'il n'était pas lettré. Il était un pécheur, c'est vrai, mais il n'était pas allé à l'école. Mais Dieu a choisi cet homme pour faire de lui le précurseur d'un message glorieux. Et puis quand il s'est rendu compte que bon, je marchais avec Jésus et que les choses n'allaient pas dans le bon sens, il a dit, Jésus, tu sais, moi ton histoire, je ne suis plus dedans, moi je repars à la pêche. Il est reparti à la pêche. Jésus n'a pas dit feu sur lui, non. Jésus est descendu, il dit, hé Pierre, jette à le... Vous savez, la grâce est tellement puissante que même quand tu te retrouves dans un état de faiblesse, elle vient d'abord à ton secours. Elle vient à ton secours. Elle vient à ton secours. Pierre était rétrograde, mais il a eu le plus grand miracle. Est-ce que vous comprenez ça? Il était rétrograde. Il était rétrograde. Dieu n'était pas d'accord avec Pierre. Mais Dieu n'a pas giflé Pierre dans les eaux. Non. Non. En fait, il a tellement aimé Pierre qu'il n'a pas permis à Pierre de pécher dans son état de pécheur. Il a dit, non, tu n'auras pas de poisson dans cet état. Je ne peux pas te permettre d'être comme les autres parce que je t'ai choisi, je t'ai appelé. Ce n'est pas un jour d'abandon qui feront que je t'abandonne. Je te montrerai qui je suis. Pierre, tu ne pécheras pas. Et donc Pierre était fatigué, il n'a pas péché. Alors Dieu lui dit, jette les filets sur la droite. Frère, c'est ça, numéro 1, il a continué d'entendre Dieu alors qu'il était rétrograde. Il a entendu clairement Dieu. Et la religion nous dit, si tu as péché, Dieu ne te parle pas. Non, Dieu est plus intéressé à te parler quand tu pêches parce qu'il n'a pas envie de te perdre. il n'a pas envie de te perdre. Il te parlera parce qu'il n'a pas envie de te perdre. Quand il commence une œuvre dans ta vie, il amène à perfection. Et dans la perfection, en tant que potier, il comprend que quand le potier est en train de façonner à un certain moment, ça ne peut pas ne pas être la forme. Il va rebriser, remettre et recommencer. Il ne va pas lâcher parce que la forme n'a pas été bonne. Il va poursuivre jusqu'au bout. Je prophétise sur ta vie que tu prendras la forme que Dieu attend de toi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Eh bien, il a dit, jette ton filet sur la droite. Pierre a jeté son filet. Il fit la plus belle des pêches. Et c'est quand le filet était rempli, quand le filet était abondant, que maintenant Pierre a reconnu que ce genre de miracle, il y a une seule personne capable de faire de telles choses. Je vois Dieu te rendre visite de façon particulière. Vous savez, vous ne connaissez pas l'amour d'une personne si vous n'avez pas fauté vis-à-vis de la personne. Je vous dis la vérité, jamais. Vous ne connaissez pas l'amour quand il n'y a pas de faute. Les personnes qui vous aiment, vous prouvent leur amour quand vous avez fauté. Et souvent, même dans ta relation avec Dieu, Dieu permet que tu retournes dans la faute pour que dans ta faute, il te montre combien il t'aime. Son amour surpasse tes faiblesses. Son amour donne à tes faiblesses de retrouver de la force qui est sienne. Tes faiblesses deviennent une opportunité pour son amour de venir à ta rencontre. Parce qu'il est amour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est dans cet état que Pierre, voyant cette pêche miraculeuse, au milieu de ce qu'on aurait dit, c'est un rétrograde, il abandonne le Seigneur, feu sur lui. Dieu dit non, feu d'amour sur toi. Feu d'amour sur toi. Feu d'amour sur toi. Et puis quand il descend, moi j'aime Dieu, il est incroyable. Non, la grâce est terrible. Quand il descend, se rendant compte que c'est le Seigneur avait préparé son plan. Je t'ai dit, ça ne fait que commencer. Quand tu es dans les eaux, tu penses que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Au rivage, quelque chose de plus grand t'attend. C'est pas seulement la pêche. La pêche, c'est la première étape. Ça, c'était cru. Il faut que tu entres dans les miracles préparés. Que tu es cuisiné par Dieu. Avec les ingrédients du ciel. Avec le persil qui vient d'en haut. Avec l'arôme de Dieu. Avec le cube de Dieu. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Oh, si Dieu décide de devenir ton restaurateur, si Dieu lui-même décide de devenir ton boulanger, ce jour, le repas que tu mangeras, tu n'oublieras jamais. Je décrète sur ta vie que Dieu te donnera de manger de telles choses. Donne-moi ton meilleur amen. Alors, au pied du Seigneur, quand il retrouve le pain et il retrouve le poisson qui était préparé pour lui, sur mesure. Alors là, il dit non, Seigneur, je suis prêt, allons-y. Il y a des choses que tu ne vas... Il y a des dimensions avec Dieu que tu n'atteins jamais quand tu n'as jamais fauté. Il y a des dimensions de Dieu que tu ne vas jamais atteindre. Quand je dis fauter, je dis vraiment fauter. Tu n'as jamais fauté. Il y a des dimensions de Dieu que tu ne connais pas. C'est pour ça que l'église est remplie de personnes hypocrites. L'église est remplie de personnes hypocrites, remplie d'hypocrites. On est facilement en train de dire, oh, tel a fait telle chose. Mais si on peut ouvrir nos placards pour voir les cadavres qu'on a mis derrière, les cadavres dans le placard, ce sera terrible. Terrible. Il y a des gens qui ont des cadavres dans le placard, mais ils sont en train de t'accuser. Et je vais vous donner un secret. Vous voulez que je vous le dise? Gardez-le pour vous en 2023. La majorité d'accusateurs sont de véritables coupables. Je vous dis, écoutez-moi bien, un homme qui accuse. Dans l'histoire de l'église, toutes les personnes qui ont passé leur temps à accuser étaient des malhonnêtes. Je reprends. Tout prédicateur qui passe son temps à accuser est un malhonnête. Vous n'avez pas besoin de chercher 1000. C'est un malhonnête, ce n'est qu'une question de temps. Et au moment où Dieu sera, parce qu'il va être patient, l'exposition sera telle que personne ne lui accordera la miséricorde parce qu'il n'a jamais été miséricordieux. Il n'y a pas de miséricorde pour qui ne fait pas. Vous prenez États-Unis, au Congo, au Cameroun, partout, c'est la même histoire. Les personnes qui ont passé leur temps à accuser, ce sont des véritables coupables. Ayant un cœur rempli d'amour. La première notion d'amour, expression d'amour, je veux dire, c'est le pardon. Quelqu'un t'a fait un tort, pardonne. Cette fin d'année, pardonne. Ne retiens rien dans le cœur quand tu es quelqu'un. Que rien ne vienne voler ta joie. Quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonne. Pardonne à la personne. Pardonne simplement. Que rien ne vienne voler ta joie. Garde ta joie. Que l'offense d'un homme ne vienne pas voler ta joie. Madame, pardonne à ton mari. Madame, pardonne à ton mari. Je t'entends me dire, pasteur, ben, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Mais moi aussi, je n'ai même pas envie de savoir ce que tu avais fait à Jésus. Mais il est mort pour toi. Donc, pardonne. Je veux dire à un homme, pardonne à ta femme. Pardonne. Il n'y a rien de plus beau que de pouvoir donner par-dessus tout son amour à ceux qui le méritent le moins. La belle expression de l'amour, c'est celle-là. Quand ton regard croit à ceux qui t'ont accusé et que tu leur dis, je vous pardonne, car vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne pouvez pas savoir le genre de joie. Il y a des gens parmi vous, vous avez ri, mais vous n'avez pas connu la joie. Vous savez, les gens, vous pensez que vous êtes en joie. Beaucoup de croyants ne n'ont pas la joie. Vous avez le rire. Je sors de la Coupe du Monde et j'ai vu des gens extasiés, passionnés, en criant, merci, merci. Les autres sont de l'autre côté, ils crient, ouais, les gens sont dans les... Mais ce n'est pas la joie. C'est la joie de l'instant. Le gars qui était là tout à l'heure, oui, on est égalisé, à la fin du match, il pleure. C'est pas ce genre de joie dont il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je parle d'une joie intarissable. Avec des billes illimitées. Reçois cette joie dans le nom suprême de Jésus. Des billes illimitées. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la meilleure façon de garder cette joie, c'est de ne jamais placer sa confiance en quelqu'un. Ah bien, eh bien, je vais vous dire la vérité, c'est l'un de mes secrets. Ne placez jamais, eh bien, jamais votre confiance en quelqu'un. Mettez-la en Dieu. Gloire à Dieu pour ceux qui entrent dans ta vie. Gloire à Dieu pour ceux qui sortent. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Donne-moi ton meilleur amen. Suivez-moi bien. Qui a déjà vu une fusée quand la fusée est en train de partir? Quand la fusée, c'est la rame de lancement. Il y a des gens qui sont tout autour de vous. C'était des piliers essentiels. Mais ils sont venus juste pour te permettre de décoller à une autre vitesse. Parce que là où tu montes, ils ne peuvent pas aller avec toi. Il y a le socle qui monte, il y a des gens qui sont autour. Au moment de faire paf, vous allez voir que le tuyau s'ouvre comme ça, babababa, et les gens tombent. Il y a des gens de ta vie qui doivent tomber à des saisons pour que tu montes à un autre niveau. Amen, ne les pleure pas, donne-moi ton meilleur amen. Tu comprends ça? Garde ta joie. Vous voyez, les gens ils trouvent, on va dire, ouais, mais ce gars, il est gonflé. Non, je sais qui je suis, frère. C'est non, je sais qui je suis. C'est, vous savez, le fait qu'on est devenu enfant de Dieu, tu dois savoir qui tu es. Je vais vous dire une chose claire. Quelqu'un qui quitte ma vie, perd. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je suis tellement spécial que quand tu te sépares de moi, tu es perdant. Est-ce que quelqu'un... Je reprends. Je suis tellement spécial. Je ne sais pas si en ce qui te concerne, mais moi je suis tellement spécial que quand quelqu'un sort de ma vie, il perd. Donc si je m'angoisse pour tes pertes et non pour mes gains. Est-ce que j'ai tout en Christ pleinement? J'en suis tellement conscient. C'est pour ça que je ne mets pas ma demande sur quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. Jamais. Quelqu'un sort de ta vie. Non, tu es spécial. Tu es spécial. Quelqu'un sort de ta vie, il est perdant. Laisse-le partir. Continue de monter. Et tu sais quoi? Il tombe comme ça et tu vois, papa, ça s'éclate, et puis la fusée monte. Mais là, tu es monté, jamais ils vont te rattraper. Il faut garder ta joie. Il faut garder ta joie. Acclame le Seigneur. Garde ta joie, garde ta joie, garde ta joie. Alléluia. Garde ta joie. Dieu concerne puissant. Le royaume des cieux, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Donc il y a la joie de Dieu, il y a la joie des événements de la vie que Dieu crée. C'est-à-dire, il te donne d'abord une joie qui est à l'intérieur. Maintenant, il va t'extasier de joie par les événements extérieurs. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je reprends. Non, je reprends parce que je sais qu'il y a de la philosophie en même temps. Il y a une joie intérieure. Dieu donne en toi des sources de vie qui jaillissent. Il y a une tranquillité, une paix indescriptible. Un bonheur incroyable. Avec ce bonheur, il y a des gens qui sont dans les palais, mais ils ne les ont pas. Ils n'ont pas ça. Ils ne dorment pas comme tu dors. Tu dors tranquille. Tu dors tranquille. Quand tu manges la teke, tu connais le goût de la teke. Tu manges le gamba, tu as le goût du gamba. Mais il y a des gars qui mangent le caviar, mais ils n'ont pas le goût du caviar. Ah non, moi je te parle de cette joie que Dieu met dans ton cœur. Quelqu'un peut me dire amen. Ah, ah. Non, non, quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Ah non, mais quelqu'un peut me dire amen. Écoute-moi bien. Quand je parle de cette joie-là, elle est en toi. Maintenant, Dieu, de temps en temps, il va accomplir les événements extérieurs. C'est comme une vague dans ta joie. La joie va monter à un autre débit. C'est pour ça qu'il dit, demande, je te donnerai afin que ta joie soit parfaite. Le haut débit de la joie. Je prophétise que c'est ton partage dans cette fin d'année. Le haut débit de la joie. Que quelqu'un dise encore. Ah ouais, que quelqu'un dise encore. Que quelqu'un confesse. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Que quelqu'un déclare. Amen. Ce que le pasteur a dit, ça arrive. Dans ma vie, quelqu'un dise. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Jésus l'a fait. Quelqu'un dise. Amen. Ah, c'est la joie au débit. Ah, ah. Hey, c'est la joie au débit. Amen. Ah, ah. Ah non, non, c'est la joie au débit. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. C'est la joie au début. Je construirai ma maison. Au début. Amen. Je bâtirai mes maisons. Amen. Je roulerai de belles voitures. Amen. Je mangerai dans les restaurants. J'irai en vacances avec ma famille. Amen. Je ferai de belles coiffures. Je porterai de beaux bijoux. Mais je ne suis pas païenne pour autant. Hein. Je donnerai à Dieu. Je servirai l'Éternel. Bref, je vais m'enjailler. Quelqu'un me dit amen. Je ne suis pas chrétien complexé. Dis amen. La joie de l'Éternel est ma force. Elle est ma force. Donne-moi ton meilleur. Je n'ai pas été créé pour prier simplement. Dis amen. Amen. Je n'ai pas été créé pour passer tout mon temps à l'église. Quelqu'un dit amen. Amen. Je ne suis pas en rédigé, mais un enfant de Dieu. Quelqu'un dit amen. 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 Dans le couloir de ma destinée, je révèle la grandeur de Dieu. Dis encore amen. Amen. Je suis la tête dans la cœur, en haut et en bas. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Je suis en haut, par la grâce de Dieu. Donne-moi ton meilleur. Amen. Hey, hey, hey. Quelqu'un dit encore. Ça. Quelqu'un dise encore amen. Hey, ah, ah. Hey. Oh. Écoute-moi bien. L'année prochaine, tu iras dans ton village. Écoute-moi bien. L'année prochaine, tu partiras dans ton village. Avec ta nouvelle voiture. Avec tes nouveaux costumes. Avec tes nouveaux habits. Avec ta nouvelle promotion. Avec ton nouvelle ascension, amen. Ta nouvelle position, tire au village pour témoigner Jésus l'a fait et que le sorcier est incapable de pouvoir t'atteindre compromis. Tu auras dit au village, je suis encore en vie en ville. Ah, quelqu'un rentrera au village amen. Pour aller témoigner la grandeur de Dieu. Donne-moi ton meilleur. Amen. Hey. Yes, Lord. Amen. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise amen. Écoute-moi bien. Ah, écoute-moi très bien. En 2023, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu auras toujours de beaux habits. Amen. Tu vas briller de gloire. C'est terminé la gloire intérieure. Elle va sortir, elle va jaillir, elle va se refléter. Donne-moi amen. Amen. Tant pis pour le gars qui a choisi l'autre fille là. Amen. Amen. Il va regretter. Amen. Il est passé à côté d'une princesse. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Même ton teint va changer. Oh. Amen. Amen. La joie de Dieu et le goût de ça. Amen. Amen. Donne-moi ton meilleur. Amen. Amen. Hey. Amen. Oh, oh. Hey, hey, hey. je veux te dire ceci, libère ton cœur s'il te plaît. Dieu est en train de me dire que tu empêches à la joie de descendre dans ton cœur. Libère ton cœur. Arrête de penser à cet événement, libère ton cœur. Tu ne peux pas en même temps être là en train de ressasser les affaires passées et attendre que les affaires que Dieu est en train de t'envoyer arrivent. Libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton âme. Choisis de vivre dans la joie, libère ton cœur. Le passé est dépassé. Ah oui, ton mari est mort mais la vie n'est pas terminée. Libère ton cœur, libère ton cœur. Amen. Au moins toi tu as eu un mari. Il y a des gens qui sont morts là-dessus la terre et n'ont pas été mariés. Tu as quand même eu un mari. Garde ta joie. Pasteur, je viens de perdre un enfant. Je viens de perdre un enfant. C'est pas grave, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Les hommes finissent par mourir. Rien n'est assez puissant pour te voler ta joie. Amen. C'est un choix. C'est un choix. Amen. Un choix. Avoir la joie de Dieu, c'est exprimer sa foi en celui qui t'a créé. Donne-moi ta meilleure. Amen. Amen. Souviens-toi de Salomon, il a prié. Mais l'enfant, David plutôt, David a prié, mais l'enfant est mort. L'enfant est mort. Il a dit à quoi ça me sert encore de pleurer? L'enfant est déjà mort. Mais de la même femme, pas une autre. De la même femme, pas une autre. Yes. De la même femme, pas une autre. 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 Elle est un enfant qu'on appelle Salomon. Tout le monde pensait que c'était les autres. Né de la première femme qui allait prendre le trône. Mais Dieu est tellement intelligent que quand il veut faire passer sa grâce, il n'emprunte jamais les chemins les plus droits. C'est pour ça qu'il a donné à ta vie de connaître le désordre que ta vie a connu avant. C'est parce que la grâce passe par les chemins de désordre. Et quand ça passe, ça restaure l'ordre. C'est ce que Dieu est capable de faire. Arrête de pleurer sur le désordre. Arrête de pleurer sur ce qui est mort. Car je vois quelque chose naître au milieu de ce désordre. Ça s'appelle la grâce. Quelqu'un dise amen. Amen. Ah! Amen. Quelqu'un dise amen. Amen. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise amen. Amen. Écoute-moi bien, j'entends le Seigneur me dire, amen. Je t'explique ceci. La femme a perdu son bébé, mais n'avait pas perdu son utérus. Elle a perdu son bébé, mais les spermatozoïdes de Salomon n'étaient pas finis. De David n'étaient pas finis. Il y avait quelque chose que Dieu était capable de faire. Il dit non, ça là je n'étais pas dedans, il faut que ça passe. Je vais te montrer de quoi je suis papa. Je vais te donner de la même femme, d'avoir un fils de gloire. Je te vois dans le même secteur, dans le même marché, dans la même entreprise, dans le même ministère. Dieu te relève de façon puissante. Ah, il te montre sa gloire. Et puis Salomon est né. Salomon est né. Les Absalom et autres disaient c'est nous les fils légitimes, c'était à nous le trône. Mais c'est sans connaître Dieu. Tu vas surprendre plus d'une personne. Amen. Je dis tu vas surprendre plus d'une personne. Amen. Quelqu'un dit. 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 Laisse-moi te donner, je vais te donner 10 phrases inspirées par le Saint-Esprit sur la joie. Ah, écoute, le Seigneur m'a dit de te dire que la vie en Christ n'est pas une vie de tristesse. Dis amen. Amen. Je reprends. La vie en Christ n'est pas une vie de tristesse. Amen. La vie en Christ n'est pas une vie de tristesse. Amen. Je dis la vie en Christ n'est pas une vie de tristesse. La vie en Christ n'est pas une vie de tristesse. Écoute bien. La joie de Dieu en toi produit la force. La joie de Dieu en toi produit la force. Dans la joie, elle génératrice d'énergie, te rendant capable de faire des choses inhabituelles. C'est un élixir, c'est une forme de dopamine qui est répandue dans ton âme et qui te rend capable de faire des choses incroyables. C'est quand il y a la joie qu'il y a la passion. Quelqu'un dit amen. Dis après moi, je suis joyeux. Quelqu'un dise encore, je suis joyeux. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit en phrase numéro 3. La foi, la joie de Dieu terrorise la peur. En fait, la joie est pour la peur un élément terrorisant. Quand tu es en joie, la peur a peur. S'il veut faire peur à ta peur, il fait être en joie. Ah, parce que le rôle de la peur, c'est pour te rendre triste. Mais quand tu es en joie, tu fais peur à la peur. Quelqu'un dise amen. Amen. Que quelqu'un dise encore amen. Amen. Et la joie éveille ta foi. La joie éveille ta foi. Quand tu es en joie, ta foi ne dort jamais. Ça ne sert à rien d'avoir Jésus dans ta barque et il dort. Réveille-le, 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 réveille-le. Réveille-le, 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 réveille-le. Avec Jésus-Christ, réveille-le, réveille-le. Que quelqu'un dise amen, quelqu'un dise amen, que quelqu'un dise amen. Aucune séparation dans la vie ne doit voler ta joie. Quelle que soit la personne, aucune séparation ne doit voler ta joie. Dis encore amen. Dieu va s'assurer que les personnes que tu qualifies d'importantes quittent ta vie pour que tu découvres la personne la plus importante. Il y a des présents dans ta vie qui occultent la gloire de Dieu. Dieu va les évacuer. Ils doivent partir. Elle doit débarrasser pour que Jésus paraisse dans la splendeur de sa gloire. Donne-moi ton meilleur amen, ton meilleur amen. Hey, alléluia. Dis encore amen. Amen. Ha, ha. La joie te permet de jouir de la vie. Dis amen. Amen. La joie te permet de jouir de la vie. Dis amen. On ne peut pas jouir de la vie dans la tristesse. Donne-moi ton meilleur amen. Tu bâtiras de nouvelles maisons, habiteras de belles voitures, conduiras de belles voitures. Dis encore amen. Porteras de beaux vêtements, mangeras de beaux plats. Vous savez, Dieu est tellement élégant. Il est tellement élégant. Tellement élégant que certaines personnes qui qualifient la vie de charnel n'ont pas lu la Bible. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Donc quand tu seras en face de ton repas, souviens-toi qu'il a été dit de toi que tu mangeras et te rassasieras. Donc quand tu es rassasié, arrête-toi, ne continue pas parce que tu es rassasié. Quand tu mangeras et te rassasieras. Quand tu n'es pas rassasié, là tu arrives à la gloutonnerie. Rassasie-toi. Il ne manquera pas de repas dans ta maison. Le prophète de Dieu a parlé. Hey, amen. Que Dieu te bénisse richement. Que sa grâce soit sur ta vie.